En question. President, please be seated. Président, vous pouvez vous asseoir. The chamber is now back in session. Reprise de l'audience. As now we have the immediate decision on the adversarial hearings of parties. That's why we postpone the invitation of the witness into the courtroom. Retarder la comparution du témoin dans la chambre, dans le prétoire. Now the chamber would like to listen to the oral submission on the 7 January 2016, the Office of the Co-Prosecutors informed the chambers and the party that the new disclosure of documents from case 003 and 004 is forthcoming and that a number of these documents are relevant to witness to TCW 938, who is scheduled to appear before the ECCC on Monday 11 January 2016. Among other things, the co-prosecutor proposed that the hearing of this witness be postponed until the end of the topic on the treatment of the charm before the hearing of 2 TCE 95, before proceeding with hearings, the party response avant de passer aux réponses des parties, international co-prosecutors email, à l'email des the chamber would like the co-prosecutors to clarify whether these documents are also relevant to the testimony of 2 TCW 988, 2 TCW 987, and 2 TCW 894. Further, de plus, the chamber wish to inform the parties that on 5 January 2016, the chamber was informed that the international co-investigating judge has indicated that 2 TCW 938 and 2 TCW 894 are category C witnesses. Témoins de catégorie C. CE 319/35, paragraph 3C. In keeping with the instructions set out in the memo of the international co-investigating judges, E319/35, the chamber is awaiting to receive from the co-investigating judge an indication of the condition of use that will be requested. Now the floor is given to the international prosecutors to talk about his submission. The floor is yours now. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Your Honors, I'm not sure I can answer all of your questions. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions maintenant. I could have someone from my office answer it by the end of the day. Quelqu'un de mon bureau pourra vous apporter une réponse d'ici la fin de la journée. But what I would indicate is that on the 18th of December, as indicated in the email, 18 décembre, comme indiqué dans l'email, nous avons reçu un ordre sans délai, une motion qui est en souffrance depuis plusieurs mois. For disclosure. I don't have un certain nombre de documents qui devaient être communiqués, mais je n'ai pas le nombre exact, mais c'est un certain nombre de documents qui va nous prendre environ quelques semaines pour déterminer s'ils correspondent à la catégorie. Ce dont nous nous sommes rendus compte il y a quelques jours, c'est que certains documents avait concerné deux TCW 938. Il y a un entretien avec ce témoin et il y a deux autres témoins également qui sont mentionnés.
erring on the side of disclosing too much rather than too little, some other interviews il y a eu également d'autres entretiens concernant les CHAM. Expects to make an 87-4 motion for were also disclosed by email yesterday. So I que nous avons envoyé un email would have to check whether, and I think we'll take this, maybe, I hope we can answer today, whether those interviews are relevant to the savoir donc si ces entretiens sont pertinents. Donc, honestly, would have to check who they j'aimerais are. Vous apporter une réponse, mais il va falloir que je vérifie avant. Je dois revérifier. Donc, il y avait un autre témoin, 988 notamment. Président. President, the floor is now given to Judge Blodepen. Je donne la parole au any Blodepen. Idea how many weeks? Claude Affens. The prosecution will still need Claude to Affens. Alors, go through the pendant combien material? De semaines est-ce que vous devrez examiner les documents? I think I could get you an answer on that by co-procureur. The end of the day. Je pense que je vais pouvoir really vous apporter une réponse d'ici la fin de la journée. Je ne suis pas sûr pour l'instant de combien de pages nous parlons et de combien de pages nous pouvons communiquer. Elles nous sont parvenues le 18 décembre lorsque le personnel est déjà parti. Nous avons reçu également deux ordres pour l'envisager. Donc, That's what frankly took my time. C'est ce à quoi j'ai été occupé entre-temps. President. The challenge before the chamber is that the chamber is scheduled to hear la chambre the set doit witness. Entendre des témoins selon and un calendrier the co-prosecutor établi. Mentioned about le co-procureur the relevant document to be used vient de with mentionner the les documents qui devaient être utilisés en lien avec le témoignage du as témoin qui aura lieu donc lundi. Concerned, the witness is scheduled to certify before the et donc on le Monday. Témoin doit venir so the chamber comparaître like lundi, donc la Chambre souhaite vous demander the documents si les documents proposés the co-procurator par are also relevant le co-procureur concernent également deux TCW 987, deux TCW 987, et deux TCW 894. So merci de bien chamber. Vouloir préciser les choses pour la Chambre. Assist, la Chambre souhaite assister les parties concernées with et no consulter également le service d'appui aux témoins experts. The Chamber will schedule the witness accordingly so that we can have the proceedings go as smoothly as possible. De façon à ce que, so please clarify the matter for the chamber, fluide. Mr. Alors, co-prosecutor. Bien les choses, you Monsieur have answers concerning the documents to be used with TCW 988. But the chamber wants to know whether those documents are also relevant to the three si ces documents witnesses concernent as I have just mentioned. Trois autres témoins que je viens de mentionner. The chamber cannot la chambre drag on the matter because the witnesses need to be informed so that they have time, proper time to adjust and to bring in proper witnesses before the chamber to certify as scheduled by the trial chamber. Particularly the schedule that the chamber has issued for Monday and the following days. A déjà été fixé pour lundi et mardi, les jours qui suivent. Just to clarify one thing, these documents, Monsieur le Président, juste pour clarifier les choses, il y a des documents qui ont été communiqués et l'accusation n'a pas l'intention d'utiliser ces documents avec le témoin 938. Nous les communiquons juste si la défense souhaite utiliser certains de ces documents. Parce que ce sont des documents qui concernent ce témoin. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser ces documents. En ce qui concerne le fait de savoir s'ils sont pertinents pour les autres trois autres témoins, 988, 987 et 894, I haven't
I don't have those statements in front of me or in my mind what those witnesses have said. I could check it. I sincerely doubt we would use them for any of these witnesses. Je n'ai pas les PV d'audition en tête, donc je ne sais pas si on peut les utiliser pour ces témoins. This afternoon or the end of the day, mais je peux vous apporter une réponse d'ici cet après-midi ou la fin de la journée. Et nous pourrons clarifier un peu les choses d'ici là pour savoir si ces documents ont une pertinence vis-à-vis de ces trois témoins. President, you have something to address the chamber, council. Maître Andagis, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour à tous. Good morning, everyone. J'ai une question de précision parce que moi j'ai la version courtoisie for purposes of clarification because I have a courtesy version of the co-prosecutor's motion. Listant en tout cas cinq déclarations qui seraient susceptibles d'être de concerner le témoin TCW 938. Et contrairement à ce qu'indique M. le co-procureur là à l'instant, dans cette annexe, il est indiqué c'est un tableau et il y a marqué ce qui est l'intérêt de ces déclarations a priori et au moins pour quatre d'entre eux sur les cinq documents, il y a marqué en anglais, donc je vais le lire en anglais. Contains exculpatory material and may be included in Rule 87.4 request. La question, c'est une question que j'adresse du coup à Monsieur le procureur quand il indique que ça pourrait faire l'objet d'une requête 87.4 parce qu'il ne parle pas d'une requête 87.4 venant du bureau des co-procureurs, parce que sinon là je suis un petit peu perdu, alors je comprends bien et nous sommes contents d'avoir cette notion qu'il peut y avoir des éléments... It is true that there may be exculpatory evidence involved, and I am unable to say so clearly now because I have not looked at these statements, but I nevertheless need to look at those documents, which stem from the co-prosecutor's annex. There may be need for a Rule 87.4 motion by the co-prosecutors, which would tie in with what the co-prosecutors have said. That is the first clarification. The second clarification has to do with paragraph 3. Donc, qui n'a pas encore de RN ni de référence, donc je vous prie de m'en excuser, mais c'est la requête intitulée International Co-Prosecutor's Disclosure of Case 004, D193/61. Donc en date d'aujourd'hui, excusez-moi pour la vitesse. I'm sorry about donc au paragraphe 3 de cette requête communiquée en courtoisie, voilà ce qui est indiqué également en anglais. Je suis désolé de vous infliger ça again have to read it out in English. I'm c'est la sorry fin du paragraphe and it's at the end en anglais. Of the paragraph in English. However, because the parties were only... Attendez que les parties... Recently informed ont été récemment of the scheduling informés of upcoming witnesses testifying des on issues concerning the treatment of the CHAM, venir, and because the office of the co-prosecutors has not yet had the opportunity to thoroughly review the large amount of documents disclosed in the ICIG's decision de on the 18th December in accordance with the chamber instruction, the co-prosecutor hereby discloses the material in the interest of allowing all parties to familiarize themselves at the earliest opportunity with information contained herein. Ma question qui ressort de ce paragraphe, c'est que j'avais cru comprendre que lorsque le co-procureur faisait une demande de communication, de la possibilité, si vous voulez, de nous communiquer un certain nombre d'éléments figurant à l'instruction, il me semblait que c'est parce qu'il savait
le contenu de ces déclarations qu'ils en demandaient à la communication et la possibilité de, le communiquer aux autres parties. The disclosure là, is meant to à la lecture de la requête du co-procureur, j'ai l'impression que les co-procureurs ne savent pas à l'avance ce qui est dans ces déclarations. C'est une deuxième demande de clarification. Si vous avez fait une demande au juge d'instruction, c'est qu'à priori, vous savez ce qui est à l'intérieur, donc je ne comprends pas du coup quel est le délai. The contents of quel est le besoin de délai entre so, I do not le moment où vous, the need vous communiquez ces éléments et le moment où vous savez, si vous voulez, non que ces éléments if soient versés en preuve. Know donc là, c'est the of the un deuxième problème you know qui s'oppose à nous. Evidence. Et ma troisième observation, là, c'est une observation, c'est de dire que si les co-procureurs eux-mêmes, qui a priori quand même avaient une vague idée de ce qui était dans ces documents, ont besoin de temps, il va de soi que nous, en défense, qui n'avons jamais mis un œil sur ces documents, nous aurons également aussi besoin de temps. Et là, je le renote à nouveau parce qu'on nous dit toujours que nous demandons du temps et que told that we are asking for more and more time. Let me point out here that we manage our case in view of the information at our disposal. So I would like to inform the chamber that I have not had time to cross-check the documents that have been sent to us as a courtesy copy this morning. And I, for one, only received those documents this morning. So I am just making these remarks as general comments. President, you have the floor now, international. President, vous avez la parole, au procureur international. Well, I think I can give a bit of information. Alors, je pense que je peux donner quelques informations et répondre à la question qui vient d'être posée. Whether these documents have relevance to other witnesses. Ces documents sont pertinents pour les autres témoins. From our review. They could be relevant to 894. Cela pourrait concerner le témoin 894. Not to 988 and 987. Mais pas 988 ni 987. So not relevant to 988 and 987. Donc ces documents ne concernent pas 988 ni 987. Peut-être que je ne suis pas bien expliqué auparavant. Ces documents that we say in our disclosure are will be a subject of 874. That is, we do anticipate making a motion. Nous anticipons avoir une motion for your honors, pour but we do not intend to use them with the upcoming, the currently scheduled witness 938. We were not going to use them, but we felt mais nous n'allions pas les utiliser pour le témoin 938. Nous estimons simplement qu'il fallait les communiquer. Alors j'espère que je vais pouvoir vous donner une réponse sur combien de temps cela va nous prendre pour les examiner. Mais lorsque nous faisons une motion pour l'OCJ, le bureau des co-procureurs, nous avons plusieurs critères à suivre. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais Monsieur le Président a une décision indiquant les modalités à suivre et qu'il serait nécessaire que nous communiquions, je crois que c'était à la demande de la défense de Kyosan Span, de savoir quels documents nous allions communiquer parce qu'il pouvait être considéré comme étant à décharge. How we should make that search, and then other documents that would be that we want to use. Documents que nous souhaitons utiliser, eh bien, so what nous devons soumettre à la motion 87.4. Relevance criteria that we used. Donc, ce sont les critères de pertinence que nous utilisons. Et je devrais donc déterminer quels sont les documents à utiliser et quels sont les documents à décharge et de savoir si nous pouvons donc faire une mission 87.4. Il s'agit là de ne pas communiquer plus de documents que nécessaire. I don't have an answer right now. Je n'ai pas une réponse maintenant concernant la durée que la nécessité de l'examen, mais j'espère que je vais pouvoir vous communiquer cette réponse d'ici cet après-midi.
Président. Next, the floor is given to litigators for maintenant civil la parole parties. Au Now, cas de la one partie issue is civile. Not alors, quite clear for une question n'est pas December. Bien claire pour la Chambre. However, cependant, if the chamber si la Chambre move to TCW 988 and 988 si on les déplace au début de la semaine, is there any matter? Si on déplace leur comparution au début de la semaine, est-ce qu'il y a un problème? La première chose, c'est comme l'a mentionné le coprocureur international, c'est que nous n'avons pas encore clarifié les choses sur le premier terme, et donc nous allons ensuite entendre les clarifications sur ce point cet après-midi. So the chamber needs donc, to be clearly informed chambre about doit être matter, clairement informée de ce point, sinon nous ne pourrons pas prévoir les comparutions de la semaine prochaine. Merci, Monsieur le Président. Sous réserve des explications fournies par subject to the explanations les procureurs cet après-midi, nous serions prêts we will pour be ready deux TCW 988 as TCW et 987 en début de semaine prochaine. 987 at the beginning of the testimony of those witnesses. President. Thank you. Merci. What about the defense counsel for the et, accused? La défense. About the intention of the trial chamber to l'intention de la schedule chambre to hear de prévoir la comparution other witnesses des autres témoins which have nothing to do with the proposed document communicated n'ont rien à voir avec les documents communiqués par le coprocureur dans l'email. So is there an y a-t-il is there any matter to hear two TCW 988 et 2 TCW 986? Est-ce que ça vous pose un problème de les entendre au début de la semaine? Maître Copé. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est très difficile de répondre à cette question, Monsieur le Président. J'ai vu ces quatre emails ce matin. Et je n'ai pas encore eu le temps de les lire parce qu'il fallait que je prépare également la comparution de notre témoin d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr, en tout cas je crois que l'un des témoins, je crois que c'est le 987, est un témoin qui pourrait déposer concernant des événements in Gangmi's district, qui ont eu lieu dans le district de Gangmi. And the other witnesses, if I'm correct, et les autres témoins are more in a position to testify about seraient plus en mesure de déposer en ce qui concerne les événements qui se sont déroulés dans le district de Kampong Si. Granting the request, your decision of 24 December 2015. Alors, ta décision du décembre 2015, eh bien, nous avons écouté les témoins en ce qui concerne le bureau de sécurité TCW 987 on peut simplement donner des informations factuelles concernant Ontrakun. Et je pense que nous pouvons effectivement entendre ce témoin. Cela dit, pour les autres témoins, chain of communication eh bien, sector 41, cela a trait au secteur 41, la chaîne de communication du secteur 41 et notamment dans le district de Kampong Si. Et donc, je pense que cela serait problématique de continuer avec ces témoins à la lumière des récentes communications. We are very unfamiliar at this stage que nous ne connaissons pas encore bien à ce stade les événements qui ont eu lieu à Kampong Si. An alternative might be une alternative pourrait être de faire comme nous avons fait pour le 2TCW 1000. Par, il y a certaines similitudes donc concernant le traitement des Vietnamiens. Et ce que je veux dire par là, c'est que
could start, l'accusation pourrait could start hearing, commencer à examiner deux TSW938. Ensuite, nous pourrions nous arrêter et ensuite continuer à un autre moment avec l'interrogatoire du 938. Alors, beaucoup de complications se posent parce que les deux témoins doivent revenir, mais ça pourrait être une alternative. Bon, je pense que toutes les solutions, de toute façon, posent des problèmes, selon moi. President, thank you. You have the floor now, Councillor Antagisse. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I must say that I face the same difficulty as my colleague as regards figuring out how to quickly adapt to this new situation. I would have to look at the situation more closely. My first remark is that, as far as witness T2TCW 987, I do understand that the co-prosecutors wouldn't find any new materials in the documents that should be disclosed or turned out into evidence as regards that witness. However, we see a link between that witness and witness T2TCW 938. Par rapport à ce qui s'est passé dans la zone, puisqu'il y a un lien, en tout cas, entre le supérieur de TCW 987 et la zone du témoin 938. Donc, il faudrait que nous puissions regarder un peu plus en détail ces nouveaux documents et voir si, à l'inverse, nous ne pourrions pas faire le 784 motion. Je parle de façon hypothétique. And I am talking here in hypothetical terms, given the fact that we cannot do so at this particular stage with any concrete evidence in hand. And then, since the proposal of my colleague is that we should start with witness 938 and then suspend proceedings to enable the defense to assimilate the new materials, I must say that we will need to think about this among ourselves with my other members of my team, Mr. Consamon, in order to ascertain what is manageable in the week. Sur le vif, hein, pour, donner so une réponse we are not in a position to give you any clear-cut answers at this point in time. Je suis un peu embêté pour vous donner I would be hard put to it to give you any more precise information. A priori, the witness who would pose the least problems would be to TCW 988 if it was possible for that witness to be called before the others. That would be the way forward. And I do not know what how easy it will be for the witness support section to do so. So I'm not in a position to give you any clear-cut answer at this point in time. President, thank you. Judge Fenn, you have the floor now. It's just an additional remark. Generally, 874 requests that come a couple of hours before we hear a relevant witness are obviously not desirable. Bien sûr, ce sont des situations qui ne sont pas souhaitables. Right, and just to be clear, we're not filing an 874 request before the witness juste avant testifies. We disclose that, and maybe we erred cela in disclosing too much because we intend to later, after the testimony, par la suite, because it's relevant to the section, file an 874 motion, but we did not plan to use the document with the questioning of the witness. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser ces documents pour l'interrogatoire du témoin. President, thank you for your remarks.
and inputs on the matter. As the Chamber has to inform, it needs clear information to be able to schedule for the for witnesses for next week. And it's very difficult for WESU to arrange witnesses and experts since WESU is responsible for bringing in witnesses and experts. The Chamber needs information for the basis to decide in due course. As promised by the International Co-Prosecutor, I hope that the Chamber will be enlightened by the International Co-Prosecutor in the afternoon so that the Chamber is able to schedule to hear specific witnesses for the following week, for next week rather. Now the floor is given to legal lawyers to resume questioning. Court officer, please usher the witness together with the duty counsel into the courtroom. President, the floor now is given to the lead co-lawyers for civil party to put questions to the witness, if you have any questions. Counsel, thank you, Mr. President, and the bench. I now give the floor to Wan Po to put questions to the witness. Mr. President, your request is granted. Allez-y. The floor now is given to Counsel Wan Po. Wan Po. Thank you, Mr. President, and the bench and the chamber. Good morning, Mr. Witness. I have a number of questions to put to you. My first question is on 6 January 2016, you replied to the questions by the national co-prosecutors related to the mosque in your village. You answered that in your commune there was a mosque, and the mosque was later on closed down by the Khmer Rouge and transformed into a hospital. I would like to ask you that in your commune, were there any Khmer temples, pagodas? There was one in Dok Da village called Wat Pokawan. Were that pagoda allowed to practice Buddhism, and were there Buddhist monks in that pagoda during the Khmer Rouge? Answer. From 1975, there were no Buddhist monks in that pagoda. Question. Did you know or anyone told you what that Khmer pagoda were transformed into during the Khmer Rouge regime? Answer. There was nothing in the pagoda, but sometimes the pagoda were used as a base for mobile unit. Mr. President, I would like to quote from document E3/51 with EN in Khmer 00
From 1977 to 1973, there were not any serious problems. But later on, they started to indoctrinate that the practice of religions is a waste of time and resource. So I would like to ask you that whether the indoctrination. So who came to indoctrinate? So they indoctrinated the cadre or ordinary people? Answer. First, they indoctrinated the cadres. But from 1975, they started to indoctrinate all the people. Question. Thank you for your answers. In the hearing on 2016, you also replied to the international co-prosecutors that you have prepared the invitation for the village and unit chief to come to the meeting. I would like to know how often the meetings were organized in each month. Answer. Réponse. The meetings were not organized frequently. It's just once or twice a month. Fréquemment. C'était simplement une ou deux fois par mois. Question. So besides preparing the invitation letters, mis à part la préparation des lettres d'invitation, le chef de commune went to indoctrinate people at the village level or not? Allait-il endoctriner les gens au niveau du village? Answer. Ou pas? The commune chief réponse, frequently commune went to the work site and the canal digging site. Sur le site de travail et sur le site où on creusait des canaux. Question. Question. In your response, you also said that as a clerk, you dans votre réponse, made vous avez reports. Dit que en tant que secrétaire ou agent administratif, I vous want to ask you, where did you learn the reporting skill from? Who taught you how to make reports? Rapports. Qui vous a appris à rédiger des rapports? Answer. Réponse. First, the commune chief told me that the report d'abord, le chef de commune m'a is dit to report about this and that. Qu'il fallait faire rapport. My responsibility was to make administrative report, especially what the instructions were. Question. Did you know that the report was sent further by the commune level to the upper level, or they were just simply kept at the commune level? À l'échelon supérieur à celui de la commune, ou si l'on gardait les rapports au niveau de la commune? Answer. Every month, the monthly report was sent further to the district level. Envoyé au niveau du district. Question. This morning, you responded to the international co-prosecutor. You mentioned that in 1977, you met with a Khmer Rouge cadre who were responsible for security matters. You said that based on your observation, there were approximately between 15% of Cham people who were left in the village, only about 85% who were evacuated away. I want to know whether Cham were evacuated from the whole Trier commune or just from your village. Answer. At that time, I did not dare to discuss much with him. It was he who asked me the question, who was the owner of this house? And I told them that this house belonged to the Cham, and they were evacuated already. Question.
Regarding the evacuation of the charm to central zone, were they forced evacuation or voluntary evacuation? Forcé ou est-ce que c'était Answer, volontaire? They were forced evacuation. Réponse, c'était forcé. Question. Do you still remember that after the liberation on 7 January 1979, were those evacuated charm returned after the liberation day? Après donc le jour de la libération? Answer. From my assumption, after the 7 January, there were approximately 600% of charm who returned. Il y avait peut-être and 16% de charm qui sont revenus. The district that the charm were sent away and mostly disappeared were from district Santok. Et c'était du district de My next question about the marriage during the Khmer Rouge regime. In your capacity as the commune clerk, did you witness or heard about the marriage during the Khmer Rouge regime? Answer. I heard about that, and I myself was also married during the Khmer Rouge regime. Question. Could you tell us, were the marriage happened voluntarily, or it, were they forced si to get married? And if so, si where the order came from? Et si oui, d'où émanait l'ordre? Answer. In Trier village, réponse. There Dans were de Trier, one or two il y avait un ou wedding deux, ceremony organized during de those years, and there were only four couples were arranged during the first wedding ceremony. And then in 1978, there were more than 20 couples who were married. And some of them married voluntarily and some were forced. Question. Were the marriage happened between Cham and Cham? Les mariages se faisaient-ils entre between Khmer and Cham? S'agissait-il de mariages mixtes entre Khmer et Cham? Answer. It was not mixed marriage. Ce n'était pas so un it was mariage mixte. Between Cham C'était and un Cham, mariage entre Cham, Khmer and et Cham Khmer couples. Et Khmer et Khmer. Questions. You already mentioned that in your village, question. Vous avez déjà dit que in your commune, village, there were commune, 5 Cham village and 3 Khmer village. 5 In your village commune, I want to ask you whether there were there any si ethnic Vietnamese commune, living in your commune during the Khmer Rouge regime. Answer. From 75 to 79, there réponse, were no Vietnamese ethnic living in my commune. Pas de Vietnamiens qui habitaient dans ma commune. Question. Question. You responded that in your Trier village there were approximately 200 families of Cham ethnicity, and the total population in the 8 village were nearly 1,000 families. So after the liberation day of 7 January 1979, for those Cham who returned back to the village, who survived the regime, les could you estimate how many families village, were there at that time? Combien étaient-ils? Combien de familles pouvez-vous estimer qu'il y avait à l'époque? After 7 answer after 7 January 1979, 1 month after that, I returned cela, to my village and I saw village. About 500 families came back. Que 500 familles sont revenues. Council. Mr. President, I have no more questions to put to the witness. President, now the floor is given to the Defense Council to put questions to the witness. The floor is now given to the Defense Council for Nguyen Chi. You may now proceed. Maître Koppe. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, good morning, Monsieur le Président. Witness. Monsieur le témoin, bonjour. I have a few questions that I would like J'ai quelques to ask questions que j'aimerais vous poser this morning and this afternoon. Ce matin et cet après-midi. Let me first, tout d'abord, ask you a question about something you said to the investigators.
Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit aux enquêteurs, document E3/5196. Première question. You answer vous avez répondu that the Khmer Rouge que les Khmer Rouges sont arrivés dans votre village 1970. En 1970. Is that correct? Est-ce que c'est exact? Answer, yes, that's correct. Oui, c'est exact. Who was it exactly that arrived? Question, qui est arrivé exactement? Were they at the time known as the Khmer Rouge? Est-ce qu'à cette époque-là, ces personnes étaient connues sous le nom de Khmer Rouge? Qui étaient ces personnes? Pourriez-vous nous décrire un petit peu ce qui s'est passé en 1970 et 1971? Qui était responsable de votre village, de votre commune, or your district? Ou de votre district? Answer. Réponse. In 1970, en 1970, when they first came, we did not know that they were the Khmer Rouge. Arrivés, nous ne savions pas que c'était les Khmer Rouge. Ils nous ont dit they were the national United Front, and they were mixed with the Khmer Rouge, with the Vietnamese. And Rotmat Lee were named as the commune chief. And, but I could not remember the name of the village chief. Because there were subsequent replacements of the village chiefs. Le chef de village a été par la suite remplacé. You just mentioned the Vietnamese. Question, vous venez de mentionner les Vietnamiens. Vous dites que les Vietnamiens sont venus également. Vous avez également dit cela aux enquêteurs. You said when they arrived, vous avez dit lorsqu'ils sont arrivés en 1970, ils étaient un groupe mixte de Yun et de Khmer. Qu'est-ce que vous entendiez exactement par là? Qui étaient les Vietnamiens qui venaient à vous, dans votre village et dans votre district? Answer. Could you repeat the question because I don't get your question? Parce que je ne l'ai pas comprise. I asked you about when the Khmer Rouge arrived in your village or your district. Je vous ai demandé you said 1970. Les Khmer Rouges sont arrivés dans votre village ou dans votre district. Vous avez répondu 1970. A group of Vietnamese. Ensuite, vous avez in your mentionné dans votre témoignage which également you also did un groupe de Vietnamiens. Ce que vous avez d'ailleurs you également you said dit when the Khmer dans votre procès verbal d'audition aux enquêteurs, vous avez dit les Khmer Rouges they sont arrivés en 1970 et ils étaient un groupe mixte de Yun et de Khmer. My question is, can you explain that a ma little question bit? Est donc la suivante. Est-ce what que vous pourriez expliciter the Vietnamese or the Yun have ce que to vous say, avez dit qu'est-ce que les Vietnamiens ou les Yun avaient à dire dans votre village à cette date-là et par la suite? President, there were no interpretation in Khmer language. Il n'y a pas eu d'interprétation en Khmer. President, Council Victor Copé, please repeat your question because there were no interpretation into Khmer language. Yeah, certainly, Mr. President. Maître Copé, très certainement, Monsieur le Président. Mr. Witness, I asked you when the Khmer Rouge arrived in your village, your district. Lorsque les Khmer Rouges sont arrivés dans votre village et dans votre district, quel moment était-ce? Vous avez dit 1970. Et lorsque vous avez répondu à cette question, vous avez également dit que des Vietnamiens étaient venus dans votre village, dans votre district. You said the same thing to the investigators. Vous avez dit la même chose aux enquêteurs. You said when the Khmer Rouge arrived, they were a mixed group of Yun and Khmer. So my question is, what exactly did those Vietnamese people have to say or to do in your village? Ces Vietnamiens à faire ou à dire dans votre village? Quelle était leur fonction? Answer. At that time, the réponse. Vietnamese
did not bother their attention with the administrative affairs. They were only paid attention to the military affairs. And as for the administrative affairs, they were responsible by the Khmer. And I myself did not know what the National United Front was. So if I understand correctly, the Vietnamese that you saw between 70 and 75 were mostly or exclusively engaged in military activities in your district. Is that correct? Saisi des questions militaires dans votre district, c'est exact? Answer, yes, that's correct. Réponse, oui, c'est exact. And do you remember when these Vietnamese military left? Question, et savez-vous quand ces militaires vietnamiens sont partis? À quel moment sont-ils partis? Ont-ils quitté votre village ou votre district? Do you remember? Vous en souvenez-vous? Answer, I could not recall. Réponse, je ne m'en souviens pas. Because the Vietnamese soldiers did not station at the village. They were simply mobilized to the village at some point. Thank you. You just also mentioned someone with the name of Mat Li. Who was Mat Li? Qui était Mat Li? Mat Li was a Tria villager. Mat Li était un villageois du village de Tria. He was previously located at the rubber plantation and then he relocated to Tria village. DVA et ensuite il a été redéployé dans le village de Tria. Do you also know another person called Mat Li? Connaissez-vous une autre personne du nom de Mat Li? Who had a high function within the East Zone? Dans la zone est. Someone who later became a member of quelqu'un qui par la suite the Assembly of Democratic Cambodia est devenu membre de l'Assemblée démocratique du Cambodia. Answer. I heard only the name, but I did not know him or had any personal relationship with him. Je n'avais aucun lien ni relation personnelle avec lui. So, just to be sure, because I was wasn't quite certain, question. The Mat Li that you just mentioned Mat Li, donc, is not the same Mat Li, Mat Li who had a high function within the East Zone and a role in dans la zone est, et qui avait the Assembly of the Democratic Kampuchea government. Is that correct? Du Kampuchea démocratique et dans le gouvernement. Est-ce bien exact? Ce sont deux personnes différentes. Answer. Yes, they were réponse. Different people. Oui, c'était deux personnes the person that I mentioned, his name Rap Mat Li, he la was the teacher in Tria village. Il était enseignant dans le village de Tria. Is it also correct? Question. I think you said it, but I just would like your confirmation that you me le confirmiez. At no point in time became a member est-il exact of à aucun moment the CPK vous êtes devenu or membre a Khmer Rouge PCK. Cadre. Is that correct? Vous n'êtes devenu cadre Khmer Rouge. Est-ce bien exact? À aucun moment vous n'êtes devenu ni membre du PCK ni cadre Khmer Rouge. Answer. Réponse. I was not part of the CPK. Je ne faisais pas partie du PCK. I never got involved with the CPK. Et je n'ai jamais rien eu à voir avec le PCK. Were you able to observe question. Or witness that there were indeed quite some charm people from your area who avez-vous joined pu the revolution? Qu'il y a eu, après 1970, quand même un certain nombre de Cham qui ont rejoint les rangs de la Révolution. Answer. Réponse. After 1970, après 1970, it was probably in 1973, there were about 20 Cham youths who joined the
20 jeunes Cham qui ont rejoint la révolution. And it was probably the Khmer Rouge revolution. Et c'est peut-être la révolution Khmer Rouge. So you're saying that you know of about 20 Cham. Donc vous dites que vous connaissez 20 Cham qui ont rejoint la révolution au début des années 70. Est-il donc exact de dire que l'autre Matli, whom you never met, was que vous n'avez jamais rencontré, the highest ranking Cham within le Cham de plus haut rang dans or within the CPK, rather. Le PCK? Answer. Réponse. As I told you that I did not know the person known Mat Lee. Comme je vous l'ai dit, I only heard about his name. Lee, j'ai simplement entendu son nom. I would like to read a few excerpts. Question. J'aimerais lire un certain nombre d'extraits. Someone's testimony, someone de la déposition who came de from quelqu'un, your area. Quelqu'un qui venait de votre région. His name is Mansen. Son nom est Mansen. He has given testimony to the investigators of été entendu par les the co-investigating judge du bureau in des E3/52005. But he has also given evidence to someone who wrote a book. Donner des éléments de preuve à Monsieur Osman, and I would like to read a few excerpts from his statement, and then I would like to ask your reaction. Puis je vais vous demander votre réaction. Mr. President, I'm referring Monsieur to document E3/7675, more particular English ERN 0022-18859, en anglais, French 0022-39924, this witness is from Svay Kling sub-district in Krochmar district. And he says that dans le district de Krochmar, the Khmer Rouge began arresting villagers at Svay Kling in late 1973. Que fin 1973, les Khmer Rouges ont commencé à arrêter were les villageois de Svay Kling. Observe whether arrests of Cham people were made in 1973? Si en 1973 il y a eu des arrestations de Cham. Answer. Réponse. I would like to ask the question: were the arrests took place in Tria? J'aimerais vous demander si ces arrestations ont lieu à Tria ou ont lieu à Kliang. He is only describing arrests in Svay Kling. In 73. Question, cette personne my question was whether you know whether arrests en also took place of villagers in Tree Village. S'il y a aussi eu des arrestations de villageois dans le village de Tria. Answer, yes, réponse, there were. Oui. Do you remember question. Who they were? Vous souvenez-vous de qui ils étaient? Answer. I do not know who came réponse. To make the arrest. I je saw ne sais pas qui est venu full loads of pousser les arrestations. Soldiers in je the sais train. Qu'il y avait beaucoup de soldats dans les camions. Now he is also saying that in 1974, il dit également qu'en 1974, in his village, dans his son area, village, il a dit que les arrestations s'étaient poursuivies. Il parle de 60 arrestations en 1974. Vous souvenez-vous de l'arrestation de villageois en 1974, de là où vous êtes originaire, dans le village de Tria? Réponse.
In that 1974, the arrest happened once in a while. One or two people were arrested. Personnes ont été arrêtées. This particular person is saying that, cette personne dit, in late 1974, the arrests increased. À la fin de l'année 74, les arrestations se sont augmentées. Clerical assistants, avec l'assistance de Hakim Mekchumha, ou chef de groupe, se sont enfuis. Plus de 200 personnes ont été arrêtées dans une seule, d'une seule fois. Mekchumha et plus de 100 foyers. My question is, do you know whether, ma question c'est, in late 1974, savez-vous si à la fin de 1974 les arrestations se sont intensifiées dans votre village? Réponse. À la fin de 1974, les arrestations ne se sont pas intensifiées. Mr. President, it's maybe an appropriate time. Question. Monsieur le Président, le moment est peut-être venu de nous interrompre. President, it is now a lunch break. Le moment the chamber est venu will take a break from now until 1:30 p.m. Et nous reprendrons à 13h30. Court officer, please assist and find a proper room for the witness during the lunch break. And please invite the witness back together with his duty counsel to the witness stand before the chamber at 1:30 p.m. Security personnel are instructed to bring Mr. Cusumpon to the waiting room downstairs, and please have him return into the courtroom before 1:30 p.m. The court is now in recess. L'audience est suspendue.